Bonjour, bonsoir. Alors, après le fail de la fois passée, on va essayer de faire un petit peu mieux. Donc, je vais redescendre avec mon couteau, toujours. Malheureusement, j'en ai qu'un. J'ai oublié de m'en préparer un deuxième. Sachez que je suis vraiment là, l'autre vidéo, hein. J'ai juste mangé un petit peu. J'ai été rechercher ici Comment? Je suis venu rechercher du métal pour le faire fondre. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant, on va manger. J'ai toujours pas pu dormir, hein. Et je peux pas leur balancer une grenade, j'y ai pensé, mais malheureusement. C'est la dernière vague, hein. Voilà, c'est bon, on l'a passé. J'espère que ça en valait la peine. Bon, le passe. Ça veut dire c'est mieux que rien. Préparation est basse, bah oui, tu m'étonnes, je suis mort. Quand même essayer de voir un niveau supplémentaire, ce qu'on pourrait y trouver. Tu ne te sens pas bien préparé, tu m'étonnes, je te le confirme, c'est ça le pire. Ça valait la peine. Donc voilà, on a bien fait. On va retourner jusque chez nous parce que là, notre personnage va s'évanouir. Donc voilà, il est vraiment pas bien, le personnage. Inconscient, 2 jours, 10h48 minutes. Et on avait l'inspecteur, hein. Donc on a loupé l'inspecteur. Ça promet une suspicion assez haute, hein, ça. Vous pouvez recharger l'un des 30 derniers jours après vous être évanoui 4 fois. J'ai pas vraiment envie de m'évanouir encore, hein. Inspection, niveau de suspicion 31. Je reviendrai demain éviter une inspection. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, il revient demain. Donc là, il va falloir, franchement, qu'on fasse attention. Il doit comprendre que, hein, faire un baril de pétrole, parce que le pétrole, on l'a mis dans l'autre. Commence à devenir tendu quand même, hein, toute cette histoire. Voilà.
là, toi, on va te mettre toi, et toi, on va mettre toi. Voilà, comme ça, on est correct. Comme on va gentiment se préparer, on va retirer ça. Mes graines, je pense que je les avais toutes mises ici. Hein. Alors, on va se faire les plantations ici. Non, d'abord ici. Ceci, puis on va cuisiner. Hein. On va terminer notre journée comme ça pour préparer la visite hein, du lendemain. Quoique, je pourrais redescendre. Hein. De poulet, je sais plus rien en faire. On va les mettre ici. Hein. Bon, je suis mort trop de fois. Hein. Je suis mort beaucoup trop de fois. Tiens, je ne sais pas faire. Je vais faire la pioche, mais pas la hache. Eh ben, je vais démonter la hache. Du coup, je vais créer une hache. Je vais me faire deux couteaux. Donc voilà, pas évident du tout, hein, ce jeu. Pas évident du tout. Voilà, notre personnage est presque HS. On va lire la lettre de Minute Man. Un avertissement rapide et amical. L'agent veut augmenter l'intensité des inspections. Soyez prêt à ce qu'il regarde à l'intérieur de votre placard et préparez-vous en conséquence. Que j'ai dans mes placards. Je pense pas que des bouquins, ça va le déranger. Hein. Allez, une petite sieste. Il va falloir qu'on se fasse une bonne nuit aussi, hein, parce que... C'est ça que j'attends que le soleil se couche pour passer la journée en fait. Hein. Bon,
Par contre, faut que je regarde à quelle heure l'inspecteur passe. Oui, je sais, je peux. Voilà, le malus. Et la lettre, il passe à quelle heure du coup? Ça, c'est le protocole, on s'en fout. Le 6 à 13h. On a un petit peu de temps. On est bon. Je suppose qu'il va pas aller m'embêter avec mes seaux quand même, hein. Ce qui se passe, c'est que là maintenant on a du temps. Donc des carottes et de l'eau pour faire de la soupe. Ok, et pour en faire une conserve. Il faut du sel. Ok. Le tournesol, je sais pas le. Je sais rien en faire pour l'instant. Hein. Sol, j'ai rien à en faire, donc peut-être ici que je pourrais le sécher. C'est pas sécher les tournesols. Assez embêtant ça de pas pouvoir le sécher. Ça a l'air de disparaître, hein, ce qu'on met dans la poubelle, ça c'est bien. Hop. On va regarder la gazette. Barrage, ok. Donc, encore un problème d'eau. Comme à l'habitude, hein, on va dire. Bon, là, on va acheter quand même les gazettes. Ça sert à rien de les garder. Les deux minutes man, on va les garder. Par contre, on va faire une petite sieste en attendant le passage de l'inspecteur. Donc, du coup, bah, on va recouvrir ceci d'abord. Hein. On n'a plus rien sur nous, on n'a plus d'armes. À quelle heure passait-il encore? 13h30. S'occuper là-bas en dessous. Hein. Pas rester à rien faire non plus pendant une heure, même si voilà, là il arrive bientôt. On va
chargé en bois là-bas. On va recouvrir et puis il devrait passer. Mon cher ami l'inspecteur, entrez donc. Ça va, j'ai recouvert. Il ouvre les placards. Hein. Ok, 17% objet essentiel manquant, aucun. On a 4. Ok. Ok. Bon, ça c'est déjà ça de fait. Est-ce que j'ai les 10 composants électroniques? J'en ai que 5. Donc c'est dans la mine que je vais devoir les trouver. Ce qui m'inquiète, vous le savez. Et les bombes, je peux pas les placer, c'est ça qui m'embête. J'avais pris des bombes sur moi, j'espérais pouvoir les lancer sur les animaux, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Donc je vais les ranger. J'ai plus de balles. Mais on doit absolument continuer l'investigation de cette mine. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc on va y aller. Je suis en train de me demander ce que j'ai. J'ai juste du chou. Alors que j'ai plein de choses chez moi, j'ai juste du chou sur moi. Ah, comme vous le voyez, je suis vraiment pas doué sur ce type de jeu. Je ne suis pas assez carré, je pense, pour m'en sortir vraiment bien sur ce type de jeu. En plus, il fait froid, j'ai pas de pull là en dessous, j'ai pas ce qu'il faut pour augmenter mon... Comment? Pour augmenter mon établi. J'essaie quand même de faire quelques petites visites. On ne sait jamais ce que je pourrais trouver, hein. Des balles, du fer, ouais. Rubis, or. Ouais, mais rien qui me permet d'avancer vraiment dans ma quête. Hein. Malheureusement, rien qui me permet vraiment d'avancer. Hein. Alors, on va essayer de pas s'évanouir cette fois.
Oui, et je pense que la vidéo va s'arrêter sur quelque chose d'assez moyen quand même, hein. Bon, on va aller voir la décharge au cas où il aura autre chose pour nous. Salut Prepper, ravi de vous revoir. Avez-vous entendu les rumeurs de l'émission radio de, vous savez, du Sud? Non, du Sud, vous voulez dire du Mexique? Je n'ai pas prononcé ce nom à haute voix depuis longtemps. Vous voyez, la propagande de l'agence est même entrée dans mon sang. Oui, du Mexique. Les gens disent qu'ils captent un signal radio, mais trop faible pour être compréhensible. J'ai essayé avec ma radio, j'ai quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre les mots. Mais je suis sûr que c'est un message en boucle, pas une station de radio régulière. Transmission depuis l'étranger. Passionnant. Peut-être qu'on devrait essayer de capter le signal depuis une voiture, quelque part dans le désert, au sud d'ici. C'est ce que je pensais, Prepper. Le truc, c'est que l'autoradio est cassé. Avec les bons composants électroniques, je pourrais le réparer. Et il s'avère que j'ai déjà utilisé tous ceux que j'avais sur la décharge pour certains autres projets. Pourriez-vous me procurer des composants électroniques pour que je puisse installer une radio plus puissante dans la voiture? Bien sûr, je vais essayer. Bon, là, je pourrais lui racheter des trucs. J'ai les composants, j'en ai 5 sur moi. Les composants, je suis très curieux. Oui, j'ai les composants, j'en ai 5 exactement sur moi, donc on sait qu'on va partir dans le désert maintenant. Ça fera l'affaire. Maintenant, je vais installer la radio dans la voiture. Revenez plus tard. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas fait une bourde en mettant nos composants là tout de suite. Ce serait bien dommage. Et là, ben, on est parti pour l'échange. Et après, dodo est terminé la vidéo, malheureusement. Va falloir que je regarde les bouquins que j'ai déjà pour pas les reprendre, en fait. Je commence à avoir pas mal d'argent. J'aurais pas non, j'ai rien. Je n'ai rien. Donc, petite sieste avant de m'évanouir. Ça me permet de mettre fondre ici ce qui doit être fondu. Comme ça c'est fait. Ici j'ai une pierre à démonter. Après, au lit, c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. Donc voilà, n'hésitez surtout pas avec vos commentaires, à savoir que cette vidéo-ci a été tournée juste après l'autre. Donc c'est normal s'il y a des choses qui ne se sont pas faites entre les deux vidéos. Mais sachez que pour la prochaine, j'aurai au moins les commentaires de la première. Donc là, je m'en vais me coucher, vous savez bien, c'est la sauvegarde. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et n'hésitez pas, hein, j'ai franchement besoin de votre aide. Bisous, bisous, au revoir.